on s'est aperçu quand vous êtes arrivé. Mais oui. Au portail, en voiture. Je vous en prie, entrez, entrez. Je peux vous aider? Oui, c'est Eva qui m'envoie. Madame Berlinguer. Et en fait, elle est en train de faire à manger, elle s'est aperçue qu'elle a plus d'œufs, et du coup, elle m'envoie vous demander si vous pourriez pas la dépanner par hasard. Bien sûr, il en faut combien? C'est 4. 4? Oui. Et c'est pour quoi faire? Pardon? Les œufs. Oui. C'est pour quoi faire? Ah, je sais pas. Est-ce que ça ira comme ça? Je vous les emballe? Comme vous voulez. Comment vous êtes entré? Par devant, par la plage. Vous êtes pas mouillé? Ben non. En fait, il y a un trou dans le grillage au bord de l'eau. C'est à pied sec. Ah ouais? Ouais, c'est Monsieur Berlinguer et Fred. Vous voyez? Ils le connaissent, c'est lui qui m'a montré. Est-ce que ça vous ira comme ça ou je vous les emmène? Non, ça ira, merci. Pas de rien. Et dites bonjour à Eva, depuis qu'on est ravis d'aller au golf avec eux demain. Pas de soucis, je dirai. Merci madame. Bonne journée. Au revoir. Ah, et remercie Fred et votre ami pour le coup de main que vous... Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, c'est pas dramatique. Heureusement, on vient juste d'arriver. De toute façon, je serais allé faire les comptes rendus. Je suis très gêné, désolé madame, j'ai pas... Vous inquiétez pas, on mange pas deux au petit déjeuner. Vous me rassurez, merci, c'est gentil, puisque... En fait, j'ai voulu ouvrir la porte de la main gauche, et je suis très maladroit. C'est deux mains gauches, comme on dit, c'est ça? C'est pas vraiment l'idéal pour transporter des œufs. Je vous le fais pas dire. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous proposerais bien des beefsteaks. Non, on a des amis qui vont venir pour le week-end et ils mangent certainement des œufs au petit déjeuner. Donc... Alors il vous en reste 4? C'est une bonne de douce que vous avez là? J'ai peut-être mal vu. Vous n'avez pas mal vu. Je vous les enveloppe pas? Non, c'est pas nécessaire. Merci madame. Vous êtes sûr? Bah, si vous y tenez, allez-y. Et bah, si j'y tiens. Peut-être que ça vaut mieux. Avant de détruire tout ce qui tient encore debout dans cette maison, prenez vos œufs et allez-vous-en. Oui. Tenez, je vous donne vos œufs. Bah, ça va les emballer. Désolée, madame, excusez-moi. Oui, moi aussi je suis désolée. Tenez, voilà. Merci infiniment, c'est très gentil. Je dirais à madame Berlinguer que vous avez été très aimable avec moi. Si vous voulez. Merci, hein. Bonne journée. Au revoir. À la prochaine fois. Votre fille, arrête s'il te plaît. Va-t'en maintenant, va-t'en. Écoutez, je suis désolée, il n'est pas méchant du tout, il veut simplement jouer. Il y a deux façons de jouer, j'ai pas... Mais bah pourquoi? Il vous a fait quelque chose? Non, mais j'ai peur des chiens. Je suis désolée. Et bah moi aussi, je suis désolée. Non, sautez dessus, je veux pas... Bon, écoute, vraiment, je suis désolée. Est-ce que vous voulez que je l'enferme le temps que vous repartiez? Non, c'est pas la peine. Non, mais je peux demander à mon copain qu'il l'enferme le temps que vous repartiez. Non, c'est pas la peine, c'est de ma faute. J'ai pas pensé aux chiens. Sinon, je serais allé chercher les œufs hier. Très belle équipement, ça, hein? C'est quoi, c'est Callaway? Ah, c'est mes préférés, ceux-là, ils sont fantastiques. Je peux les utiliser pour me faire quelques balles, non? Bon, écoutez, et... je sais pas quel jeu vous jouez, mais moi, j'en entends vous dire que je marche pas dedans. Alors, prenez vos œufs et allez-y. De quel jeu vous parlez? Ok. C'est juste, honnêtement, je comprends pas pourquoi vous êtes aussi désagréable tout d'un coup. J'ai fait quelque chose qui vous a contrarié, j'ai... Allez-vous-en, s'il vous plaît. Juste, j'ai été insolent, j'ai dit quelque chose qui a... Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Je vous ai demandé de vous en aller, alors maintenant vous prenez vos œufs et vous partez. S'il vous plaît, donnez-moi les œufs. J'ai demandé les œufs sont tombés, ensuite le chien m'a attaqué, maintenant j'en veux d'autres. Et c'est pas compliqué à ce que je sache. Vous me parlez pas sur le tournage, maintenant.
Et t'en parles pas sur ce temps-là, jeune fille, parce que c'est tes œufs que je vais casser. Maintenant, vous partez. Chut, je t'ai vous auriez pas dû. Mais l'agent. Je suis étudiant en médecine. Je vais arranger ça. Si vous ne laissez pas examiner votre blessure, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je suis désolé de vous avoir fait mal, vous m'avez obligé. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le. Je vous en prie, allez-vous-en. Vous savez, moi, ça m'a été très pénible de venir mendier des œufs sans succès comme ça. Humiliant, même. Toutes ces complications, là, pour quelques œufs. Si vous aviez accepté ma première proposition, vous auriez moins mal, là. Arrête, pardon. C'est une invitation ? Pardon ? Le tutoiement, là. Moi, ça me fait plaisir, ça simplifie nos rapports. À quoi vous jouez là? Pourquoi vous me faites ça? C'est pas facile pour moi d'en parler. Quand j'étais petit, mon père, il est parti. Et après, ma mère, elle nous a éduqués tout seuls. Et du coup, quand elle nous donnait le bain, elle nous faisait des fellations avec mon frère. Voilà. Et ça, c'est un peu de moi. D'abord, un PD. Pas criminel. Ça va, un garçon, vous en voulez une autre. J'ai faim, je vais voir ce qu'il y a. J'ai compris. Très bien, c'est excellent. J'ai tout compris. Pourquoi vous faites ça? Vous prenez pour un imbécile? Mais c'est pas le choix de vous maltraiter avec mon nouveau jouet! Je vous le dois, ça va rendre les choses plus amusantes! Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est régaler le public! Vous montrer de quoi je suis capable! Je peux rejouer avec moi. Laisse-moi partir. On est encore tout jeune. Il s'est rien passé. Je dirais que je suis tombée dans l'escalier, que je me suis cassé la jambe en descendant et tout le monde me croira. Pourquoi vous vous abaissez autant que ça? Plus, hein. Vous soyez d'accord ou non, faut parier.
Arrêtez. Arrêtez maintenant. Finissez en fait ce que vous avez à faire. Vous cherchez quoi, à me terroriser? Alors qu'est-ce que vous attendez de plus? Qu'est-ce que je dois faire? C'est bien. Tu vois, c'est pas difficile. Tu vas réciter une prière, celle que tu veux, et si tu commets pas la moindre erreur, tu auras le soutien du bon Dieu. Sinon, je te tue tout de suite. Au sein de ton royaume. Mon Dieu, aie pitié de moi et accueille-moi. Tu peux pas m'envoyer ça comme ça, c'est prier, d'accord? Donc tu as bien pu prier correctement, les mains jointes. Voilà. Et maintenant, mets-y un peu de ferveur. Pour crever. Rapide et efficace avec mon nouveau jouet. On vient pas les règles d'Anna, je suis désolé, t'as perdu. C'est comme ça.